gros morceau qui est là, celui à ta gauche. Toi, tu parles-tu des panneaux? Tu parles des panneaux ou tu parles des travers? Je parle des panneaux. Le gros morceau, là, il y a deux gros morceaux. Je pense que c'est celui à ta gauche. Je sais pas si c'est des panneaux encore, mais... Que celui à ma gauche, c'est celui-là. C'est bon? Exactement, ta gauche, là-dessus. Ma gauche. Okay. C'est bon. Puis il y a des petits morceaux, puis il y a des gros morceaux. Ouais. Ben, tu vois, là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est les travers. Mais c'est... Il est juste en dessous de ton pied. Excuse-moi, c'est ma mère. Je veux juste répondre vite, OK? Allô? Hein? Félicitations? Ouais! Quoi? De quoi tu parles? J'ai déjà connu un Afghan, moi aussi. Oh, c'est peut-être un Turc. Bref, très bel homme, lui aussi. OK. OK, maman, change de cassette, s'il te plaît, parce que... Sur une date Tinder, un grand brun, il me disait... Aho! Aho! Oui, c'est oui, en moins date. Aho! Aho! J'adore les peuples autochtones. Aho! OK, c'est bon. Ça va aller. Non, pas, fais pas Aho. Aho, fais pas ça. Non, on va y aller. On a un meuble très important. Aho. OK, bye-bye. À plus tard. Aho! Je suis désolé. Plie les genoux. Ah, attention, doucement. Oui. Doucement. All right! Mais là, je pense qu'il faut mettre le fond. Là. Ah, c'est ma fille. Oh, ben, prends-le, je pense qu'on peut prendre une pause. Ouais, excuse-moi. Oh, allô? Je sais. Bravo à toi. Merci. Charles et Huron Wendat. Ouais, ben, je suis né à Montréal. Je suis un Montréalais. Ah, oh, mais c'est tellement cool. Je sais. Ben, pas tant. Puis est-ce que tu parles Huron Wendat? Ben, le Huron Wendat. Hey, j'aimerais tellement apprendre des langues autochtones. Kwe, ça veut dire bonjour, non? Ouais, ben. Paraît que les Huron Wendat se sont rendus jusqu'au Michigan. Ben, enfin, que leur territoire s'étendait jusqu'au Michigan. Et moi, ça me touche tellement d'apprendre l'histoire des peuples autochtones. Quelque part, je trouve qu'on peut faire des liens avec d'autres peuples stracisés. Tu sais, on parle d'égalité aujourd'hui, puis de réconciliation, mais on s'entend qu'on est loin d'effacer, enfin, de corriger plus de 400 ans d'oppression. Attention! Mais en même temps, attention, je me dis, tu sais, il faut agir, là. Il est jamais trop tard. Il y a une citation que j'aime beaucoup, c'est « Those who say it can be done are usually interrupted by others doing it. » Mais ça, c'est pas de moi, là, c'est James Baldwin, mais je trouve ça tellement vrai. En tout cas, ah oui, puis tu parleras à un moment où on va dire un message, whatever, tu rappelleras que je suis plus une petite fille. Si je juge que c'est important d'aller marcher pour dénoncer les injustices du système puis l'abus de pouvoir avec Dayan puis son père, ben j'ai le droit puis je vais le faire. Bye, papa! Je t'aime, j'ai plus le temps. Ah ouais, Charles, c'était un honneur de vous rencontrer. À la prochaine! Hey, déjà, hein? OK. Bon, ben, à plus! Wow! Ouais, ben oui, ben oui, ben... Hein, c'est ma fille! Tu sais comment on dit, c'est quoi, l'arbre n'est jamais trop loin de la pomme à ses pieds. Ça va? C'est qui, lui? Bonjour, moi, c'est Charles. Bon, ben, je vais partir l'eau pour les pâtes. Oui. Hein? Je vous laisse parler? Ouais. Bon, c'est quoi, là? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. Ça va, arrête. Je vois bien qu'il y a quelque chose. C'est quoi? Je sais pas. À toi de me dire. Je t'appelle, tu réponds pas. Alors, forcément, moi, je m'inquiète. Puis là, je vois que t'es avec un gars que je ne connais pas, ni d'Ève ni d'Adam. Tu m'ignores alors que j'ai vraiment besoin de te parler. Comme si de rien n'était, je te trouve avec un mec... Mais qu'est-ce que tu racontes? Non, laisse tomber. Non, attends, dis-moi... C'est pas comme si tu quittes la France comme ça, hop, pouf, comme si de rien n'était, tu quittes, tu me donnes presque plus de nouvelles parce que monsieur est trop occupé à faire de l'art, à écrire des poèmes ou je sais pas quoi. Juste des poèmes. Et là, t'es là avec ton nouveau pote et vous construisez un meuble Ikea ensemble. Tu sais très bien, comme moi, j'adore aller chez Ikea, OK? Vous allez manger des pâtes ensemble alors que moi, je suis ici, je suis là, j'étouffe, OK? J'ai juste besoin de parler avec quelqu'un. Au boulot, c'est le bordel, je reçois 1000 mails par jour, mon patron me fait chier, je bosse comme un malade, j'y arrive pas, d'accord? J'y arrive pas, et là, on me rejoint sur mon portable, mon iPad, mon mail, un pigeon voyageur. Pas moyen d'être tranquille, putain! Pas moyen! L'amour, le stress, mal au dos, mon père, la fatigue, mon poids! C'est fou. Sinon, ça va. Ben, Didier, veux-tu rester avec nous pendant qu'on monte le meuble? Ah, ça peut être cool. On n'est jamais trop pour construire un meuble Ikea. Ouais. Oh,
Bah peut-être. Peut-être si vous voulez, je peux aller me faire des pâtes. Hein? Comme ça, on s'ouvre une petite bouteille de vin ensemble et on se fait un petit meuble Ikea. Excellente idée. Ouais. Bon, bah, je fais ça. On dit quoi exactement? Amérindien, un peu plus quoi? Amérindien, ça se dit pas, non. T'es sûr que t'as mis la planche du bon côté, là? Non, moi, perso, je monte toujours mes meubles Ikea assis. C'est mieux pour le dos. Donne un coup. Mais donne un coup. Allez, donne un coup. Mani, donne un coup. Et là, le gars, il me dit « Nos ancêtres, les Gaulois. » Paf. Allez, Charles, à toi, mon Charlot. Je m'excuse, hein, au nom du peuple français, d'avoir débarqué chez vous comme ça il y a 400 ans avec le scorbut dans des couvertures. Oui, oui, oui. Des couvertures remplies de maladies, putain. Ok, attention. Oh, c'est fini. Ah ben. C'est toujours comme ça chez vous? Ouais. Hein? Ouais. T'es bien entouré? Ouais. On meurtre ensuite, hein? Oula. Manny? Oh la vache.